Après son retour éclatant aux Jeux Olympiques, Céline Dion semble retrouver le bonheur authentique. Des rumeurs font état d'un mariage surprise suite à des fiançailles à Paris. Le magazine France Dimanche révèle davantage sur cette union inattendue. Après une période difficile, Céline Dion paraît enfin retrouver la paix intérieure. Les nouvelles récentes suggèrent qu'un événement familial majeur pourrait être imminent. La fête n'est pas pour Céline Dion, mais pour son fils René Charles. À 23 ans, René Charles et sa partenaire Angélique Wakeman ont récemment annoncé leur fiançailles. Angélique, qui travaille au prestigieux casino Wynn à Las Vegas et est patineuse artistique, a rencontré René Charles en 2016 lors d'un match de hockey. Leur rencontre a été un coup de foudre et leur relation a évolué au fil des années. Aujourd'hui, ils ont décidé de franchir une nouvelle étape en officialisant leur engagement. Initialement sceptique à propos de cette relation, Céline Dion trouvait qu'Angélique était « un peu trop gâtée ». Cependant, après avoir observé le bonheur de René Charles dans cette relation, la chanteuse a changé d'avis et a accepté la compagne de son fils. Angélique a même été invitée à rejoindre la famille Dion lors des Jeux Olympiques de Paris en juillet dernier, où elle a séjourné au Royal Monceau, le même palace que Céline. C'est pendant ce séjour que René Charles et Angélique ont révélé leur fiançailles à Céline Dion, dans une atmosphère intime et discrète, à l'écart des caméras. Selon des sources mentionnées par Closer et relayées par France Dimanche, le couple envisage de célébrer un mariage simple et authentique, loin des extravagances habituellement liées à la célébrité.